sur Eagles TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interview du numéro 8, Karim Souchu, suite au match Limoges-Aix-Marseille. Ok, ben Karim, merci de bien vouloir répondre à nos questions. De rien. Donc, vu qu'on t'avait pas réinterviewé depuis ton arrivée à Limoges, comment ça se passe au niveau de l'équipe? Donc, tu t'entends bien avec tes collègues, le coach et tout? Moi, je pense qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. On peut le voir, je pense, pendant les matchs. Tout se passe bien. On est en train de graduellement monter de niveau. Mais je pense que ça va bien se passer cette année. Okay. Donc, on va parler d'un moment un peu douloureux, la défaite à Pau la semaine dernière. Comment t'expliques le mauvais début de match, on va dire, parce qu'après, ça s'est bien rattrapé? Ouais, on a fait un mauvais début de match, mais on paye surtout sur la fin, on échoue à 5 points. Mais bon, je pense que c'est quand même important vis-à-vis du match retour. Le goal average sera certainement important. C'est dommage, on a eu 10 minutes vraiment de trou en deuxième carton avant la mi-temps. C'est ça qui nous coûte le match. Mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'on a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Et on aurait pu sauver la face, c'est dommage. Ok, maintenant par rapport au match de ce soir, c'est bien, puisque bon, c'est une bonne équipe quand même si on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Mais comment t'expliques ces moments de trou des fois pendant le match? Parce que des fois vous pouvez avoir un super bon niveau, des bonnes phases de jeu, et après il y a des blancs. Ça fait partie encore des petits réglages qu'on doit avoir. C'est une équipe qui est relativement jeune en vécu. Donc je pense que ce soir on a eu des petits manquements, mais on a je pense l'expérience et l'intensité après défensive qui fait qu'on peut combler ça. Donc ce soir ça s'est bien passé, c'est bien. Mais bon, je pense qu'on a montré qu'on était solide mentalement cette année, surtout sur les fins de match. Ok, pour le match de la semaine prochaine, donc c'est à Charleville-Mézières, comment vous l'appréhendez? Match piège, parce que c'est une petite salle, on va être attendu, il va falloir gagner à l'extérieur, on n'a pas encore gagné à l'extérieur cette année, donc il va falloir aller faire un résultat là-bas, on sait qu'on sera très attendu, on a une cible, hein. On sait que quand on joue à Limoges c'est comme ça, donc j'espère qu'on va faire un résultat là-bas. Donc concernant l'ambiance en déplacement donc à Pau, comme tu as pu nous voir, et à Beaublanc, vu que c'est ton deuxième match à Beaublanc, qu'est-ce que t'en as pensé jusqu'ici et surtout des Eagles? C'est important, je pense même sur le match de Pau, ça nous fait revenir un peu en deuxième mi-temps, parce qu'on sait qu'on nous pousse, on est là derrière, donc c'est important qu'on ait les fans qui soient là à tous les matchs, pas seulement à Beaublanc, mais à l'extérieur, c'est pas toutes les équipes en France qui ont ce privilège-là. Okay. T'as un petit mot pour eux, justement? Continue à nous supporter, même dans les moments difficiles, quand on joue un peu moins bien. Il faut pas siffler, il faut nous encourager. Je pense que par exemple ce soir, quand ils reviennent à égalité, vous êtes restés positifs, tout le monde a applaudi, même si c'était pas facile. Je pense qu'à la fin, on est tous contents de gagner. Les joueurs comme les fans, tout le monde est gagnant. Ok, merci beaucoup. De rien.